Oh putain, mais c'est pas... C'est bon. Assieds-toi. Ouais, j'ai vu. Assieds-toi. Bien le bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo balade enduro. Hop. Et là, on va se régaler aujourd'hui à faire des beaux petits chemins. Et surtout aujourd'hui on va faire du technique. Je vais bientôt changer de moto. Et du coup en profiter pour justement utiliser un peu la bêta en technique, parce qu'ensuite je vais avoir une autre moto pour cet hiver. Et là ça promet, donc j'ai vraiment hâte. Là, je la kiffe quand même, cette 200, elle est ouf de chez ouf. Alors j'ai oublié de mettre mes lentilles, donc j'y vois pas grand chose, surtout dans les sous-bois là. Bonjour. Je vais dire, c'est sûr, il y a quasiment jamais personne qui prend ces chemins là, à part peut-être quelques marcheurs et les motos. Je crois que c'est ça, je te disais, le chemin, mais je suis pas sûr. Ça y ressemble, je crois, ou alors c'est un autre qui rejoint celui-là, mais c'est sûr que ça me dit quelque chose, ça. Je te dirai quand on arrive au bout là-haut. T'es déjà monté là ou pas du tout? Non, plus loin là. Ok. J'ai déjà fait ça. Wouah! Je vais essayer d'aller chercher pile en face là. Vraiment, lui il va monter là. Ça passe. C'est pas très académique, mais. Oh. Et je crois que c'est la fin de mon protège. Hein? Eh non, même pas. Ah merde. Ouais, mais je vais essayer limite de monter là-haut là. Je pense pas que ça va passer, mais. Merci. Ouah. Oh ta mère. Ouais, c'est marrant là. Ah oui, là. Le problème c'est qu'après. Non, c'est là, je crois que j'étais monté. Bouge pas. Ah oui. Ah, j'avais pas vu ça. Parce que je me suis dit là-bas, ça va. Ouais, non, je vais faire comme toi. Wow.
Ah ouais. Ouais, le problème ça va être plus par ici. Bah en fait ça accroche bien là et je voulais pas accélérer au dernier moment. Attends. Attends, mes pieds. Attends, bouge pas. Ouais, c'est là, je connais. Nickel la marche, mon gars. C'est là que je me souviens. Ah ouais, tu vas passer en bas. Parce que une fois, en fait, moi j'étais passé en haut. Mais t'as vu comment c'est... Je t'avais dit, tu sais, ça fait un dévers. Ouais. Et en fait, c'est cette partie-là. Oh, on s'était chié dessus. Ça passe tout seul, allez. Wouah. Wouh. C'est bon. Vas-y, doucement, ça passe, là. Là il y a eu un passage là. Oh bon, salaud. Oh, une mobilette. Wow. Il est super bien passé Maxence. Et bah pareil. Wow. Eh là il est passé les gars. Wouh. Eh, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui mais on est chaud de night. Oh Fada. Vas-y. Fais un peu de la merde là. Je vais essayer de m'en sortir tout seul. Et là, on est presque en haut. Et je me sens pousser des couilles. Là, c'est le haut, là. Ici, là. Et après, bon, c'est du faux plat. Oh. Non. C'est bon, ça va. Voilà. Ah. Oh putain, ça glisse. Ah merde. Oh putain. Hop 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 hop. Ah oui. Putain, c'est immeuble. Dès qu'on fait demi-tour là. Oh là là. Oh putain. Parce que je viens de voir que la pile où tu dois prendre la trace, il y a une petite racine bien sympa. Juste en dessous. Ah ouais.
3, 2, 1. Attends. Le seul souci, c'est que là, ça sort pas. Ah, mais là, impossible. Et ça monte pas trop mal. Là, c'est chaud. T'es en dévers de ouf. Et t'as une racine en bas, donc tu peux pas arriver avec de l'élan. Attends, oh, bon. Pas de soucis, bouge pas. Oh, j'ai pris une châtaigne, mon pauvre. T'as vu? Oh. Putain, hey, c'est mes pieds qui glissent tout le long. Hey, on est con, encore mieux, regarde. Si on arrive à prendre là, recouper, pas passer tout droit presque. Même là, là. Bah, je pense que si on arrive à monter tout droit, j'aurais bien essayé. Effectivement, ça glisse. Et je vais encore en mettre une à faire du Holiday on Ice. Oh, comment ça glisse! Eh ben ça va bien cette petite bêta quand on s'est passé la première. Oh. Et quand on sait tenir l'équilibre aussi, je pense. Oh putain! Putain, j'étais coincé là où elle touchait pas le sol. Oh, c'est beau. Ah, là, c'est beau. J'ai encore du mal avec l'équilibre. Allez, on est parti pour la redescente. C'est pas du tout ce que ça va donner. Oup là, une petite, une petite marche. Oula, oh, le Maxence, il a emmené les cailloux. Oh putain, mais c'est pas possible ces bottes là. Oh,
Ça va? Assieds-toi. Ouais, j'ai vu. Assieds-toi. Ça va? Tu saignes pas? Wouah! Assieds-toi. Allez, viens. Putain, mon pauvre. Mais c'est quoi ce délire? Non mais là, je te jure, je sais pas si ça filme, mais il faudra regarder la vidéo. Je t'ai vu, mais je sais pas comment expliquer. La moto est partie. Toi, t'es parti de l'autre côté. Et là, je me suis dit, mais attends, il s'est passé quoi? Et là, j'ai vu l'arbre cassé. Je me suis dit, non. J'ai vu que t'arrivais pas à respirer. T'as un truc con comme ça en plus. Hein. Pas vite, tu vois. Pour ça, quand j'ai vu, je pensais que ça allait taper là au début. Et là, je t'ai vu te tenir là. J'ai dit, là, tu sais, c'est. Enfin, t'as pas les côtes, t'as rien. Ça peut vite transpercer. Hein. Non, mais attends, mais. T'as vu la taille du machin là? Mais d'après, d'un côté, j'ai eu de la chance. C'est dur. Hein. Ouais, parce que là, ça concentre le. Là, ça a un peu. Un impact sur une grosse zone. Tu vois. Ouais. Je pense que ce soir, ça va même les gars. Je pense que tu vas pas être bien dans le lit là. Ouais. Oh, regarde. Je pense que c'est ça. Hein, que t'as dû imaginer. Je vais avancer la brêle, je vais te relever la tienne. Ça, c'est solide ces autos. T'as ça tracte. Ça tracte. Et ouais, c'est impressionnant comment tu peux tourner le guidon. Faut que je regarde sur la mienne, ça doit être dévissé. Je peux pas tourner autant. Bon, là c'est le moment. C'est le moment où je vous fais un petit débrief, mais c'est con, vous voyez. On est parti à deux, tranquille, pas faire de folie. Et ça aurait pu très mal finir en vrai. Oups, sans lunettes, je me fais ramasser. Hop. Vous voyez comment ça peut arriver vite, même en seconde, à deux à l'heure quoi. Ça c'est ouf. Et le petit message, c'est que malheureusement il y a quelqu'un qui a perdu la vie ici il y a 2-3 ans. Peut-être 3 ans. Dans un chemin. Mais vraiment pas loin d'ici en plus. Il est tombé et de ce qu'on nous a dit, une branche dans la gorge. Il n'est même pas tombé, mais il s'est pris une branche dans la gorge en tout cas. Et au fond des chemins, et malheureusement, il a pas pu survivre. Donc voilà, équipez-vous, faites gaffe. Et là, c'est un régal. Alors, je connais pas. Et j'ai pas mon masque, donc j'essaie de fermer les yeux pour pas me faire. J'ai pas envie de perdre un œil quoi. Mais ouah, quel bonheur! Oh, mais c'est incroyable ici! Oh, c'est incroyable! Regardez là la montée. Si ça, aïe, faut qu'on regarde où on est. Faudra venir le refaire dans l'autre sens. Info sûre. Oula, il y a une marche en montée. Oh, ça touche les cale-pieds. Oh. Wow, encore. Oh là là.
C'est incroyable. Ouah, c'est un régal cette 200. Oh, il va me manquer. Oh putain. Et il est costaud l'ami. Parce qu'après, après cette squeeze, ce qui s'est pris dans le bidou, je ferai pas le malin. Alors là par contre je vais vraiment rien voir avec le soleil qui tombe. Heureusement, j'ai ma petite plaque phare additive plus. Ouais, j'ai rien timé comme il faut là. Waouh, comment c'est gras. Oula. Ça va? Non mais ça glisse là. Ça c'est bien parce que je vais pouvoir m'entraîner à rester debout. Ouais, je l'ai emmené avec moi, au con. Je lui ai passé la jugulaire, je dis là s'il racle tout le long. Oh, fait une péter une couille. La technique est pas encore là les gars. Je crois que je me suis pété une couille. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Oh, en fait, ça vient après. Oh là 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 là, l'enfer. Mais non, il me fait peur. J'ai peur, j'ai l'impression que dans tous les bosquets, il va y avoir un tronc qui va faire ça. Et ça m'était déjà arrivé ce qui lui est arrivé. Mais ça m'a tapé le guidon. Et par chance, j'avais protège-mains comment ça s'appelle? En métal là. Sinon, je vous dis, j'aurais vraiment. Mais c'est vraiment pas une blague, j'aurais vraiment plus de mains. Parce que je devais être à 50 km/h et ça m'a stoppé mes nets. Ah, là, il y avait un autre passage, mon copain. Mais non, j'arrive debout, j'y mets un coup et bah et blap. Vous voyez comment ça accélère pas, mon gars, ça patine derrière, mon gros. Et du coup, un désavantage quand je viens d'essayer sa moto, c'est que l'angle de braquage sur la bêta, il est limité, regardez. Comparé aux autres motos. Faudrait que je regarde. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu pénible quand t'es dans le technique. Je sais qu'il y a des astuces, j'ai déjà vu passer des... Regardez la beauté! La beauté du paysage, mon gars. Comment c'est beau! Chers amis, c'est la fin! Merci à tous de nous avoir suivis. Nous, on va se rentrer tranquillou. Pas envie de faire des folies. Voilà, merci. En tout cas, c'est cool. Ça fait longtemps que j'avais pas fait des sorties comme ça. Des années. Franchement, ça fait des années. Ça fait au moins un an avant les US. Et les US, ils sont restés 2 ans. Et là, ça va faire 1 an que je suis revenu. Donc, franchement, c'est le top. Bon.